Roger, Roger, on arrive sur le site de Chicago. Ça caille à mort, les gars. Ça pèle. Ça pèle, comme on dit par chez moi dans la campagne dijonnaise. Bienvenue à vous pour la partie d'After the End. L'After the End, c'est un jeu Exode Game. On en a parlé. On a ce qu'il faut dans la Trick Track Télé pour le découvrir en long, en large et en travers. Et nous allons initier la partie de ce jeu avec l'auteur. Antonin, salutations. Salut Guillaume. Bienvenue à toi. Et avec le chargé de com de chez Exode Game, j'ai nommé Adrien. Salutations. Adrien. Salut Guillaume. Bien, nous avons tous des tarés qui ont accepté de sortir par ce temps froid. Alors, il y a un vicieux, il y a un dérangé, c'est Matt. Et il y a une jeune fille capable de se défendre. Voilà. Ouais, ouais. Ingénue, mais pas trop. Mais attention, messieurs. Ça se joue de 1 à 5 joueurs, After the End. Donc 3, c'est parfait. C'est un jeu d'Antonin. C'est illustré par Quentin Dognon et plein d'autres illustrateurs. Exode Games, c'est l'éditeur. À partir de 14 ans, 90 minutes pour la partie. En sachant qu'on va forcément vous spoiler un petit peu, puisque c'est le premier scénario que nous allons jouer, mais que ce premier scénario a été fait exprès pour explorer toutes les facettes du jeu. Exactement. Donc, on peut y jouer de plein de façons différentes. Il n'est même pas dit que nous spoilerons jusqu'au bout de la partie. On est d'accord? Eh oui, on est d'accord. La mise en place a été faite. On est sur du work in progress, puisque c'est soumis à votre participation. Campagne de financement participatif prévue en octobre 2018. D'ailleurs, pendant Essen, si vous voulez aller le voir à Essen, ils auront la petite borne pour pianoter. Et c'est Adrien qui va nous mettre dans l'ambiance avec le début du scénario. Oui, tout à fait. Donc, livret de scénario. Ouais. On se réfère à la page du scénar en question et on commence avec un petit texte introductif que je vais m'empresser de vous lire. J'introduis. Donc, tumultueux. C'est le terme que vous emploierez très certainement pour décrire votre précédent voyage qui fut rythmé par les embuscades des gangs locaux et les assauts incessants des pacificateurs de Monarch, qui ont d'ailleurs eu raison du groupe de Lily. Forcé de rejoindre les mines les plus proches, mais bien conscient qu'il vous serait impossible d'y entrer sans qu'un résident se porte garant pour vous, vous avez fait appel à une notable de Chicago, Dawn, afin qu'elle puisse vous garantir une entrée au nouveau Chinatown. Ok. Donc, une bourrasque gelée manque de faire fléchir Lily. Cela fait désormais plusieurs heures qu'elle et ses équipiers avancent dans la pleine gelée à la recherche de l'anciennement nommé Lake Michigan, leur point de rendez-vous. Le regard de Lily oscille entre ses deux compagnons de route perplexes. Jack, l'étrange cyborg, s'est muré dans un silence troublant, à l'instar de Vicious, toi, Guillaume, dont la seule préoccupation est visiblement de mettre un pied devant l'autre. C'est ça, tout à fait, depuis le début. Au loin, deux silhouettes deviennent peu à peu visibles à mesure que le trio progresse dans la neige. En surplomb, perché sur un rocher, une femme toise les arrivants, d'un regard inquisiteur, tandis qu'un individu dégingandé, moi, semble entretenir une franche conversation avec un bonhomme de neige de sa création. Il est malade. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Quelques mètres en direction de leur comité d'accueil permettent à Lily d'identifier Dawn, dont le maigre sourire à l'attention de la jeune fille s'efface aussitôt en découvrant ses nouveaux compagnons de route. Coucou. Qu'est-ce qu'elle nous a ramené, l'autre nanette? C'est pas possible. Donc les présentations sont brèves et les retrouvailles sans joie. L'homme, moi, qui a abandonné sa joute verbale imaginaire, se prénomme Matt et accompagne Dawn pour assurer la sécurité du groupe, affirme-t-il. Outre le fait que ces déclarations parviennent à arracher un léger sourire sardonique à Vicious, tous s'interrogent désormais quant à la manière de faire entrer un cyborg de Monarch, Jack, dans les mines sans se faire abattre. C'est ça. Dawn ajoute que la seule entrée empruntable pour ce genre de cargaison se trouve à l'ouest d'ici. Mais cette voie pose problème. Le maire Wendell, de Chinatown, s'est attiré les foudres d'un gang local particulièrement belliqueux pour une sombre histoire de dette de jeu. Le chef du digang a promis de ravager Chinatown en guise de représailles, en plus d'abattre quiconque s'approchera de trop près de ce qu'il désigne aujourd'hui comme étant son territoire. Eh ben tiens. Les mines sont en état d'alerte et chaque nouvel arrivant est passé au peigne fin. Entre les bandits revanchards et la méfiance des gardes, il va falloir jouer fine. C'est fine. On peut changer de compagnon de jeu, on va pas prendre Matt, hein, on va prendre Dylan. Ok, donc du coup... Voilà, mise en ambiance, nous sommes là, donc on vient d'arriver aux abords de Chinatown, en tout cas des mines de Chinatown. Sur le plateau de jeu, on a le premier, donc on tire la première carte de scénario qui dit... la numéro 1. Vous arrivez près de l'entrée des mines de Chinatown, le clan dont vous avez parlé, Dawn, est déjà présent, donc comme on peut voir avec les figurines sur place. Socle carré. Il est déjà dans l'usine désaffectée, à la recherche d'une entrée pour prendre d'assaut les mines. Ah d'accord, ils partent à l'assaut. Ouais. Okay. Objectif, dirigez-vous furtivement vers la porte, donc token interaction A, qui est ici. Okay. Attention, ne vous faites pas repérer, ou les bandits vous attaqueront à vue, sans ménagement.
Donc, vous avez, donc voilà, ensuite on il y aura... On n'a pas le droit de les tuer tout de suite. Si. Ah, si, tu as le droit, tu as le droit. Mais ça risque de se voir. Ça risque de se voir, exactement. Il faut être furtif. Donc, il y a des bonus. Pour l'instant. Hein. Voilà, on l'est pour l'instant, on démarre furtif. Ok. Alors, eh bien, c'est parti. Alors, on rappelle que c'est en tour alterné, donc l'un d'entre nous va commencer, et après, ce sera tout de suite à l'ennemi le plus proche de nous. Là. Voilà, celui-ci, qui pour l'instant nous en vue. Donc, le socle est carré pour t'indiquer sa ligne de vue. Mm-hmm. Donc, en fait, il voit sur toutes les caisses qui sont devant lui. Okay. Et qui ne sont pas bloquées par un mur. Sachant que là, cette porte est fermée. Hein. Cette porte est fermée. Donc, la porte est fermée. Pour nous aider un peu, parce qu'on aurait dû commencer un peu plus loin, mais on accélère un peu la partie pour se rapprocher. Voilà. Mais attends, la porte est fermée, qu'est-ce qui... Enfin, pas forcément moi d'ailleurs, mais qu'est-ce qui nous empêcherait? Parce que si on passe là, on va se faire choper. Alors, il y aura comme on passe en furtif, on part furtivement très rapidement, on peut faire un test assez difficile de okay. furtivité. Donc, tu es le plus indiqué, puisque tu as la meilleure agilité, donc... Bah ouais, mais enfin bon, c'est moi quoi. Voilà, non, mais... En termes de test, je me fais pas super super confiance. On pourra toujours le bourriner. Il va pas donner l'alarme? Parce que sinon, est-ce qu'on peut passer par l'intérieur du bâtiment? Alors, on faudra passer ici, passer par la porte qui est là, ensuite arriver ici. Oh la vache, oh merde. Et là, il y a un mur aussi. Donc en gros, le scénario, lui, il patrouille comment lui? Alors, il tourne, c'est indiqué sur le livret de scénario, donc il tourne autour de ce lopin. Ah, donc, il protège un peu le chef de gang qui, lui, ne bouge pas. C'est indiqué donc, dans le... On pourrait presque, quand il est par ici... Attends, j'ai c'est combien de déplacements le... mais j'ai que 3. Ou l'assassiner furtivement dans l'eau. Que 3, c'est celui qui va le plus vite. Hein, tout de même, nous, on n'a que 2. Oui, mais je voudrais être plus rapide. 1, 2, oui, ou alors l'assassiner furtivement. Mais à ce moment-là, alors, toi, tu es plus rapide, hein, tu te déplaces de 3 cases. Donc, j'ai un mouvement gratuit. Ça pourrait faire 1, 2, 3. Un mouvement gratuit, 1, 2, 3, et je le tue. Mais il faut être sûr de le tuer. Après, ça se tue facilement, là, ou pas? Alors, de face, non, parce que malheureusement, il a un bouclier. Donc, en fait, on peut jouer aussi finement, et tu te fais détecter expressément pour l'attirer, et on peut le terminer dans le dos à main nue. Alors, ça, c'est petit. Alors, ça, je trouve ça super petit. Ou alors, je peux y aller, parce que comme tu es notre atout maître au corps à corps, je peux y aller. Tu y vas, il t'attire, voilà. Je le prends au corps à corps et boum. Et fini. Ah, ça me plaît bien, voilà. Ça. Comme je suis le plus proche. Vas-y, va prendre des risques. Alors, je du t'assure. Coup, j'ai joué ma première action. Donc, dans mon tour, j'ai le droit à un déplacement gratuit. Ouais. Donc, je vais déplacer de 1, il t'a 2, vu. Il m'a vu. Donc, je deviens automatiquement… Perceptible. Donc, là, j'aurais pu être suspecté, mais bon, en pleine vue, je perds automatiquement mon jeton. Je suis découverte. Voilà. 1, 2. Donc, c'était ton déplacement gratuit. Voilà, déplacement gratuit. Ensuite… Première action. Voilà, première action. Je ne vais pas rester bêtement comme ça. Et quoi. Donc, je vais considérer mes deux actions. Je vais me déplacer. Donc, 1, 2, 1, 2. OK. Voilà, parce que 2, ce qui est marqué sur, sur ma fiche de personnage. Ouais, le déplacement. Et je vais garder au cas où… Parce qu'il pourrait avancer. Non, il ne pourra pas me faire. Donc, je vais du coup utiliser mon instinct pour avancer d'une autre case. Parce que ça permet aussi, pendant ton tour… Pendant le tour adverse ou pendant ton tour, tu peux le dépenser pour faire une action. Ça aurait pu me permettre de me mettre à couvert, mais malheureusement, là, ce n'est pas le cas. Tu pourrais la garder pour interrompre son déplacement à lui et lui tirer dessus? Non, non, il faudra une compétence plus tard pour tirer pendant l'activation. Mais là, j'aurais pu l'utiliser aussi pour me défendre, pour ajouter un dé de défense supplémentaire. Alors, comme je suis à découvert, on va le voir après comment se déroule un tir. Tu vas officier, on va dire. Donc moi j'ai fini mon tour. Donc c'est au tour des méchants. C'est au tour des méchants. Donc lui étant le plus proche de nous, donc il m'a vu, donc plus, il sait vu. Que parce voilà. Parce que lui, est-ce qu'il pourrait être considéré comme plus proche? Alors comme en fait il m'a vu, lui il prend la présence. Donc d'accord, c'est indiqué dans les règles logique, de l'IA. Classique. Voilà, donc lui il va avancer de 2. C'est son mouvement qui est indiqué sur sa petite carte. Alors c'est un garde du corps. Ouais. C'est un garde du corps. Et donc il y a son comportement. Voilà, son comportement, il est indiqué. Donc, il va essayer toujours de se déplacer et de se mettre à couvert pour te tirer dessus. D'accord. Mais là, malheureusement, il ne nous voit pas. Parce que du coup, là, c'est un mur. Ouais. La porte est fermée. Donc, en fait, il va quand même, du coup, sur son action. Donc, mouvement voilà. Plus une action. Voilà, on peut montrer le… Attends, alors, c'est pas lui, c'est lui. Donc, c'est bien un garde du corps. Donc, il n'a pas de bouclier, pardon. Mais alors… Ouais. Donc du coup, en fait, c'est un humain aussi. Donc là, il se plante. Donc on voit ici qu'il a le symbole d'une action et un déplacement gratuit. Ok. Donc en fait, il a fait son déplacement gratuit de 2. Il essaierait de tirer sur quelqu'un, mais il voit pas. D'accord. Alors, on a aussi une petite réglette, on peut montrer. Donc il voit pas les. Il y a un bloquant, donc on peut pas. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va essayer de se déplacer vers la source prioritairement, la source qu'il a vue. Voilà. Donc il se déplace 1 et 2 en diagonale. Classique. Voilà, il reste comme ça, donc il pourra détecter. Ça me paraît classique. Ah ben là, par contre, dis donc. Oui, donc là… Moi, je suis à couvert, c'est du bleu. Hein. Alors là, tu pourrais jouer aussi ton instinct oui.
pour te mettre à couvert. Non, j'ai pas envie. D'accord, donc là, il va te voir. Bah oui, je m'en fous, il va mourir. Bah, voilà, donc là, d'accord. Par contre, tu perds ton jeton. Ah oui, mais par contre, je fais pas. Alors, parce que, en fait, si tu avais été... On peut taper en diagonale ? Oui, tu peux te déplacer en diagonale. Bah, écoute, donc, alors, tu te cacherais là. Je reste caché. Voilà, tu restes caché parce que pourquoi ? Quand tu es à furtif, tu doubles les dégâts quand tu restes. Tu arrives à rester là. Deux bonnes raisons. Voilà. Mon pouvoir à moi, c'est quoi ? Alors, ton pouvoir, donc c'est de furtif, c'est surtout quand il y a deux personnages qui peuvent être tirés l'un sur l'autre par l'IA. Mm-hmm. Il va toujours choisir l'autre. Tant que t'es à couvert. Mais bien sûr, on reste potes, les mecs. Ouais, c'est pas moi, il y a marqué furtif. C'est pas contre vous. Je n'y suis pour rien. C'est la vie. Donc du coup, je suis le seul qui reste détecté pour l'instant, donc il va toujours venir essayer de venir vers moi. Oh, ça c'est bien d'avoir. C'était bien d'avoir déclenché. Ça s'appelle comment t'as dit ? L'instinct. L'instinct. Ok, voilà. Donc j'ai dépensé mon instinct pour me mettre à couvert au moment où il a surgi. Voilà. Adrien, t'es d'accord ? Tu veux bien me le laisser ? Parce que tu pourrais jouer là. Là, je pourrais jouer, ouais. Et tu pourrais même aller le taper aussi. Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit toi ou moi ? Je propose que ce soit moi qui agisse. D'accord. Je sais exactement quoi faire. Ah bah alors. Attends. Oula, attends, c'est Matt qui vient de s'exprimer. C'est dit. Ça sent l'intelligence. J'utilise mon déplacement, donc je cours vers l'entrée. J'utilise une action pour courir. Non, c'est pas du tout ça qui était prévu. Plus une autre action. Non, moi je vais à l'intérieur, j'ai froid. Voilà. Bon. Je peux lui tirer dans le dos. Tu pourrais, ouais. T'es un peu loin. Je sens que cette mission part en cacahuète. On n'a pas fait un tour. Ouais, un tour. Que c'est déjà en train de partir complètement en live, ce truc. Bon, pourquoi il se barre par là, ce con ? Je sais pas. Il a un agenda secret. Alors, on voit qu'il y a peut-être un problème. On avait dit discret. Pour l'instant, j'ai il est discret. J'ai pas ce qu'il y a en l'air, là, pour l'instant. Voilà, il a pas tout. Tout va bien. On va pas lui donner d'idées, en plus, voilà. Guillaume. Bon donc, il a peut-être vu le point d'intérêt sur le plateau et peut-être se diriger vers cet endroit-là. Bon, ok. Quoi qu'il arrive, en tout cas, c'est à lui de jouer. Voilà, t'as déclenché ton. Tu veux avancer encore d'une case avec mon instinct ? Ça va. Non, tu vas rester. C'est la fin de mon tour. Ok, donc là, lui. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a presque égalité entre les deux, mais lui, il t'a vu. Oui, lui, il m'a vu. Alors, lui, il a joué, donc normalement… Il ne peut pas rejouer. On penche la carte sur le côté. Okay. Voilà, il a joué. Donc, maintenant, c'est notre ami là-bas qui est plus proche de toi. Ouais. Mais du coup, il est sur son pattern, il va avancer. Il est sur son pattern, ouais. Lui, il n'a rien détecté. 1, 2, voilà, il ne t'a pas vu. Et donc encore, là, tu es toujours caché. Donc là, par contre, il faut que je me dépêche. Par contre, tu vois, si tu passes ici pour essayer de passer dans son dos, tu risques de passer. Là, je vais le voir. Non, mais… Attends, c'est-à-dire. Ah oui, là. Non, ça c'est. Non, rouge. Tu vas rentrer dans sa ligne de vue à lui, en fait. Ouais, c'est juste ça. Juste ici, en fait, ici. Quand tu vas arriver là. Attends, s'il y a la diagonale, je pourrais le prendre de côté. Hein. Ouais, tout à fait. Ah oui, mais non, tu me diras. Du coup, comme c'est litigieux, on peut autoriser, si nous on est tous d'accord, à ce que tu fasses un test d'esquive. Mais il aura quand même un plus 1, donc ça c'est la partie roleplay où on peut aussi… Non, je suis d'accord, je pense que le test d'esquive… Normalement, parce que j'arrive vers le grillage et je passe derrière. Exactement, et donc t'aurais dû être détecté automatiquement. On utilise le grillage et l'angle mort, voilà. Là, parce que, en plus, il est en train de tourner la tête par là. Il est en train de chercher Lily du regard. Donc on est d'accord. Ouais. Oui, en vrai, il aurait même pu dire, je me planque derrière le mur et puis je vais essayer de regarder pour la tirer dessus. Donc là, je vais taper alors, moi, je la joue roleplay à mon avantage. D'accord. Alors, généralement, quand tu veux jouer roleplay comme ça, il faut jeter le dé critique. Parce c'est du 50-50. C'est du 50-50. Si c'est un critique, c'est toi. Il a agi en mon sens. Mais j'aime bien ça fait très jeu drôle. On va dire que c'est bon. De toute façon, elle est cassée. Si je pousse le machin, là, ça va tomber sur la face critique. Voilà, exactement. Donc c'est bon, il s'est tourné vers toi. Donc là, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Je pourrais même passer par là et te pas détecter. Mais 1, 2, 3, ça me permettrait d'être planqué par le mur et ça serait encore mieux. Personne n'a noté qu'il y avait un coffre juste à nos pieds. Ah mince. Bah oui. Ouais, mais j'ai une action, je peux peut-être le faire avant de me barrer. Oui, oui. Une action, mouvement gratuit, je le tape. Ouais. En une action, je peux le taper, je peux le tuer. Oui, normalement. Ouais, j'ai totale confiance. Total confiance. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Ça, c'est un autre garde du corps ou ça, c'est un bandit ? Non, c'est un autre. C'est l'autre garde du corps, donc c'est lui. Donc lui, il a joué. Il a joué. Voilà. Caché. Alors, première action, on va ouvrir le coffre. Voilà. Donc, c'est une action. Voilà, c'est une action d'interaction. Une des actions. 6. Donc, la meilleure, tu as le droit de piocher 6 cartes ressources. 6 cartes ressources. Et 6 premières. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyons un petit peu je regarde ce que j'ai trouvé. T'as le droit. Et tu peux même le cacher pour toi, garder pour toi. Mais je vais vous le dire. Alors, je peux vous balancer dans la tronche une grenade, un fusil. Oh, j'ai un fusil d'assaut archaïque. Par contre, il tire super loin. Je peux viser 0, 1, mais il relance. De 1 à 6, nickel. C'est génial, la vache. Ouais, c'est pas mal de dégâts. Un petit repas cuisiné, nickel.
pour le froid. Un pistolet archaïque. Il traînait dans un coffre qui est dehors. Hein, donc bah, il est surgelé. Ouais, bah, voilà. D'ailleurs, il y a marqué hein, Picard, je ne sais pas ce que ça veut dire. Picard. seringue anesthésique et un petit bandage. Donc, ça, c'est très bien. Je le mets dans mon. Dans ton petit sac à dos, là, tu peux le mettre là. En sachant que j'ai 12 et là, ça prend 6. Voilà, c'est ça. Okay. Tu pourras jeter ce que tu as en trop, ce que tu n'aimes pas. Première action. Deuxième action, déplacement. Exact. 1, 2, et 3, voilà. Alors, lui arrive pile poil dans le dos, dis donc. Alors, attention, parce que là, tu n'es pas dans sa ligne de vue, mais il est quand même pas sourd, le mec. Ouais, mais j'étais discret. Voilà, donc en fait, tu dois faire un test à 2. D'agilité. Alors, donc, agilité, j'ai 2 dés jaunes. T'as 2 dés jaunes, t'es un des meilleurs, t'es le meilleur d'entre nous. Il faut que je fasse au moins 2 succès. Deux succès. Très bien le zoom sur les dés, là, pour voir le résultat. C'est deux tout pile. Alors en plus, alors tu as scoré. Je l'avais prévenu. C'est Guillaume quand même. Hein. Voilà. Le mec a que de la neige, il arrive encore à marcher sur le seul endroit qui était. Oh punaise. Bon, ça a marché quand même. Donc tu as scoré l'adrénaline, tu la gardes. Tu pourras l'utiliser quand on aura deux pour rejeter un DD. Super. Là tu en aurais un deuxième, tu aurais pu rejeter un DD. Voilà. Ouais, heureusement. Bon là réussi. Donc tu arrives dans son dos. Alors et là, un coup de lance-lame, c'est ça? Voilà, lance-lame où tu l'utilises pour le tronçonner. Tu peux aussi utiliser ta force ou ton agilité pour essayer de le tuer. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Non, c'est le lance-lame. Ouais, un bon coup de lance-lame dans la nuque. Un bon coup de lance-lame, on est d'accord. Hein, lance-lame, ouais. Allez. Donc, tu prends deux dés jaunes. Tu prends, alors, le dé blanc qui sert à… Donc, si tu arrives à scorer une lame, tu lui feras en plus des blessures sur la durée. Celle-là? Ouais. Oui, c'est ça. Okay. Donc voilà. Ça, c'est deux dés jaunes et le dé blanc indiqué par mon lance-lame. Et j'ai le dé bleu de défense de l'adversaire. Voilà. Donc là, tu vois, tu aurais pu viser, mais tu as dépensé pour te cacher. Donc tu aurais pu l'utiliser aussi pour viser. Donc là, et on jette le dé bleu aussi avec soi du méchant. Oh, alors là, c'est parfait. Ça, il n'est pas sous couvert. Oh la vache, comment il mange. Ça, c'est quoi ça? Alors malheureusement, non, là, c'est le crâne fendu. Tu as fait un échec critique. Alors l'échec critique, c'est juste que ça annule 1. En fait, on regarde sur l'arme. Un échec critique sur un lance-lame, c'est juste un en moins. D'accord. Par contre, bon, encore on voit un peu qu'il progresse. Mais par exemple, si tu as des armes dangereuses comme un lance-flamme, tu peux prendre crâne plus de dégâts. C'est pas bon. Voilà, donc en gros, là, pour l'instant, ça va juste enlever un. Par contre, le monsieur, il est pas à couvert. Donc tu l'attaques dans le dos, c'est 0. Ça fait 0. Donc il se prend 3 points de dégâts. Ouais, 3 fois 2. Parce que tu es de dos. Parce que je suis de dos furtif. Voilà, et tu vises serine. Et il a combien en dégâts, juste pour savoir? Pas de chance, il a 7. Vous plaisantez. Voilà. T'as fait un échec critique. Premier lancer de dés, échec critique. Hein. Pas possible. C'est pas trop grave parce que. Bah si, c'est grave. Tu l'as fait quand même très mal. J'ai bien lui tronçonner les trois quarts du cou. Voilà. Mais il en reste juste la jugulaire là qui tient encore pour le cerveau. Encore, voilà. Oh, je suis vert. Donc il est baissé. Mais par contre, comme t'as fait un dégât assez important et quand t'as fait un crit, t'as automatiquement quand même un assommé. Donc au prochain tour, il va galérer. J'espère bien. Voilà. Ouais. Voilà. Donc on met le token. Donc tu pourrais le finir. Là, tu pourrais. Bah non, t'as déjà utilisé ton action malheureusement. Donc voilà. Le tour s'achève pour lui. De toute façon, il a fini son tour lui aussi. Je pense qu'à ce moment-là, nous tous avons fini notre tour. Donc ça veut dire que l'adversaire maintenant va pouvoir jouer tous ses personnages. D'accord. Donc le chef des bandits reste où il est parce qu'il est en train tranquillement de. Lui, il est en train de chiller. Il est en train de chiller tranquille. 2. Voilà. 1, 2. Attends, 2 là. Ouais, il fait le tour. Il fait le tour. Ah d'accord. On lui a dit, fait le tour. D'accord. C'est un bandit. Il faut dire que là, il y a des caisses avec des trucs pour le gang. Donc il fait gaffe. Et lui, il a bougé. C'est bon, je l'ai fait bouger, il a avancé de 2 pas. Donc lui, il ne court pas. On réinitialise. Attends, on ne réinitialise pas tout de suite. C'est la fin du tour. Donc là on passe à la deuxième phase. Tout le monde a joué ses actions, c'est la fin de la phase d'action. Ensuite, c'est scénario. Mais on n'a pas été détecté encore, parce que lui, il a été assommé. Moi, j'ai été détecté. Donc malheureusement, on doit prendre la carte 2B. Parce qu'il y avait marqué, si vous êtes détecté. Attends. Vas-y. Tu vois, donc malheureusement. Donc à la phase, j'ai été détecté. Alors vous arrivez en face des portes ouest des mines et vous intéressez avec ces A. C'était le A, malheureusement là, vous vous êtes fait repérer. Et on prend le 2B. Okay. Le 2B, donc là à ce moment-là, on prend le 2B. Une entrée peu discrète. La discrétion n'est pas leur fort, il y a marqué votre, moi j'y suis pour rien. La discrétion n'est pas son fort. Les bandits qui vous ont repéré, et uniquement ceux-là, il n'y en a qu'un, vous suivent. Vous en êtes sûr, les gardes ne vous laisseront jamais rentrer avec des ennemis derrière vous. Bah oui. Donc, éliminez discrètement les bandits ou semez-les de manière à ce qu'il n'y ait aucun bandit à moins de 3 cases des portes ouest des mines. Donc, quand la menace est écartée, on reviendra à
Okay. Pour l'instant. Bon, ça va, on a limité la casse. Voilà. On a un seul qui a la jugulaire à l'air. Je serais toi, je ne causerais pas. Vu comme tu vas préparer ta rentrée en bâtiment, j'ai peur. Mais bon, ok. Alors, est-ce que je l'élimine maintenant ou est-ce que tu continues d'avancer? Alors, attends, on n'est pas encore. Donc là, on a fait la phase scénario. Donc malheureusement, on a fait avancer. Tu oublies la menace. Troisième phase du tour, la menace. Donc malheureusement, des gentilles le choses. Premier joueur, c'était moi. Donc je pioche une carte que je vais révéler. Alors j'ai de la chance. C'est Hello Kitty. Non, c'est le contraire. Un renfort. Un bandit débarque. Un bandit arrive. Donc en fait, le spawn. C'est marqué sur le scénario, le numéro 1 là. Donc en fait, il y a un bandit qui arrive, qui était en train de fumer sa clope, il re-rentre. Donc ça fera du bonus. Donc on le met, voilà, exactement, à la suite des autres. Fais-toi exploser. Alors, délabrement, c'est une menace d'intérieur. Ouais. Je suis encore à l'extérieur, donc tout va bien. Mais donc, j'en pioche une. Et ben voilà, il y a son copain qui vient pour fumer sa clope aussi. Ah merde, ils vont papoter voilà, tranquillement. Ils arrivent tous là, ils sont malades. Ils sont tranquilles. Alors, c'est le dernier, vas-y. Et alors, moi, j'ai touché en fait une mine personnelle qui explose sous mes pas. Ah non. Non, découverte macabre, c'est extérieur, non c'est un... Ah c'est les deux. C'est les deux. Oui, extérieur, donc, intérieur. Donc tu l'as. Test de perception, enfin de visuel à 3. Ok, voilà, à 3. Bon bah alors attends, j'ai deux jaunes. Voilà. Mais donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, t'as échoué mais hop, t'as deux là. Et donc t'en je peux le dépenser et je vais relancer celui-là. Dépenser, voilà. Oh Guillaume, je t'en prie, fais pas de conneries. Alors c'est pas fini. Parce que tu vois que j'ai un échec. Voilà, c'est échec maintenant. En fait, tu n'as pas détecté le piège, mais tu as encore une chance d'enlever tes doigts. De l'esquiver. Voilà, avant d'exploser. Bien sûr. Alors, deux jaunes à 4. Voilà, j'ai raté à 3, mais à 4. Il va falloir remettre la goupille. Bon, c'est bon. Parfait. 3, 4, 5, donc là, tu remets la goupille tout doucement sur le et tu appliques. Si votre test est réussi, je pioche une ressource. Et sinon, c'était un dé de dégâts plus un plus une menace. Voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bah oui. Donc effectivement, j'ai peut-être dû... Fais voir ce que j'ai. Tu as déjà commencé à le looter, il était même pas mort. J'ai commencé. Et ce qu'il avait? Ah bah c'est l'antidouleur. J'ai failli le péter, t'es un gros malade. Non, c'est bien, je garde. Je garde, impec. Alors là, par contre, on a fini le tour. Donc, on régénère, on redresse nos adversaires. Du coup, moi, j'ai dépensé mon instinct. Alors, comme je ne l'avais pas dépensé avant la phase finale. Oui, voilà. Ah, oui, tu peux avant terminer. Alors, bien vu. Malheureusement pour nous, on se trouvait en extérieur. Il fait très froid à Chicago. Il y a du blizzard. Donc, nous, malheureusement, ceux qui sont à l'extérieur, toi, tu as de la chance. On prend un petit jeton d'hypothermie. Alors, parce que moi, je suis pas un peu. Le fait là que je sois dans les murs, ça protège du vent. Parce que c'est principalement vent qui souffle. J'avais prévu ça depuis le début, en fait. Donc là, nous, on a pris et il suffira qu'on rentre dans un bâtiment, qu'on finisse pas notre tour à l'extérieur, on pourra enlever un jeton. Sinon, ça fait quoi? Sinon, ça prend sur tes points de vie, en fait. Hein. Donc, si tu peux mourir de froid, c'est la partie survie du jeu. Là, l'équivalent, tu as 5 points de vie à cause de maintenant, ce jeton. Maintenant, j'ai plus que 5 points de vie, ouais. Mais par contre, en rentrant à l'intérieur, voilà. Il s'en va. Ou en mangeant un bon repas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ballot. Hein. Si on en avait, on le partagerait. Oui, bien sûr. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, on prend un jeton de froid. Ok. Voilà. Et donc, c'est reparti pour un tour. Donc là, on se met d'accord. Je pense que notre ami Vichou, c'est un peu dans le caca parce que sinon, c'est lui qui va jouer tout de suite. Autant on est d'accord. Finir. Tu peux l'achever. Ouais. Je peux l'achever. Ouais. Puis comme ça, au moins, je me mets à l'abri. Tu fais ton bordel ici et je serai planqué. Et en plus, ça nous permet de bouger le scénario et de revenir à cette phase. Ok. Voilà. Bon, bah donc, je m'en occupe. Deux et un blanc. Voilà, et un blanc. Je peux encore faire. Alors là, tu n'as plus l'effet de surprise, mais c'est pas grave. Alors, tu peux jeter comment ça le... Je vais jeter le déblo du méchant. Ah, il a fait 0 à nouveau. Bon, ben voilà. Voilà, 2. Bon, deux. Tu gagnes encore une adrénaline. C'est bien, ça m'a fait un deuxième. Mais bon, il ne lui restait qu'un PV. Il ne lui restait qu'un PV. Donc ça, gros, c'est bon. Voilà, ça serait quelque chose de spécial. Alors, c'est quand tu auras une arme qui ou un pouvoir qui fait. Voilà. Et ça permettrait de faire perdre. C'est l'action aussi, ça permettrait directement de gêner l'adversaire, il pourra plus voir de loin, il perd une action, enfin c'est terrible pour lui. Voilà, et donc on retire la figurine. Alors, c'était ce monsieur. Ouais. Voilà, et donc en fait dans la poche, tu pourras looter pour une action, tu peux récupérer son matériel. On le découvre pas. C'est si je loote. Si tu lootes. Voilà, normalement, c'est une action d'interaction, on va te le donner comme ça. Attends. Voilà. J'ai fait mon combat. C'est d'interaction. Ah oui, j'aurais plus que mon déplacement. Oh, c'est pas grave, je loot. Donc voilà, deuxième action. Alors, tu prends déjà. Alors, tu vois, tu viens de choper un indice. Qu'est-ce donc? On va voir. Il y a un bout de quelque chose. Voilà, on ne sait pas encore. Et en plus, tu chopes des ressources sur son dos. Il avait des trucs dans la poche. Félicitations. Qu'est-ce qu'il avait dans la poche?
Fusil de précision, quelque chose comme ça. Dis donc, qu'est-ce que tu as toi? Oh là, il avait une mine. Bon, il a un piège. La vache, ça commence à... J'ai le droit de changer d'arme? Oui, au prix de ton instinct, tu pourrais. Non, tu es en train de looter, donc tu peux le changer instant là. Ah, d'accord. Alors, est-ce que celui-là est bien? Le violet, il fait mal? Le violet, c'est tout ou rien. En fait, il fait le même dégât que le jaune, mais si tu fais un critique, ouais, c'est tout ou rien. Tu peux faire 4, alors que lui, il fait que 3 max. Et le vert est moins bien. Non, je vais garder la mienne pour l'instant. Ouais. Par contre, j'ai une mine. Ça s'installe, ça. Ça s'installe pour une action d'interaction. Comme il est indiqué sur la carte, tu as le petit symbole action. Donc là, il ne te reste plus que ton déplacement. C'est ça. Voilà. Et puis, on va faire... Donc là, je peux monter sur les caisses, c'est ça? C'est ça. Mais ça coûte un peu plus de trucs. Ça te coûte un point de plus pour monter. À l'heure actuelle, tu es un spécialiste de l'assassinat. Mm-hmm. Quand tu développeras une compétence qui te permettra de faire du parcours, direct. Et toi, tu dépenses moins de... Non, mais c'est pas grave. Je vais faire 1, 2. Je ne vais pas me mettre dans sa ligne de vue, donc je vais faire 3. Ça marche? Ok, ça marche. J'irai voir toute seule les mines, en fait. Alors, parce que tu vois, tu as un mur là, donc tu ne peux pas passer. Mais c'est pas grave. C'est un mur? Oui. Alors ça, non, tu dépenses, tu fais un test d'agilité. C'est une barricade, en fait, qui bloque la route. Et tu passes, donc tu pourras passer. Je pourrais éventuellement passer. Tu aurais aussi pu passer sur l'échafaudage. Enfin, ici, était en hauteur. Tu vois, il y a un niveau 1. Niveau 1. Ouais, je vois bien. Donc, ouais. En fait, tu es au-dessus et tu aurais pu passer par-dessus gratuitement. Et ça t'aurait coûté pas mal. Alors, non, oui, là, elle est fermée pour toi, mais quand tu arriveras à côté, tu pourras l'entrouvrir en poussant de l'épaule. Attends, oui. Donc, j'aurais pu faire 1, 2. Je peux pas monter, mais là, ça fait plus 1. Donc, 1, 2. Alors tu peux monter, si tu dépenses ton instinct, tu peux, ça te convertit. Ah, et oui. Parce que du coup, ça… Si, c'est fun, je vais passer ça. Hop. Voilà, donc là, ça fait 1, 2, normalement 3, il me 4. Faut 3, voilà. 4, et grâce à mon instinct, voilà, tu peux grimper. Je suis sur la caisse. Voilà, et après, il te faudra encore 2, puis ensuite, tu pourras sauter gratuitement comme ça. Ok. Le niveau 1 contre 0, ça, t'as pas besoin de faire d'agilité. Oui, tu risques pas de te taper. Oui, ça va, c'est de 8 mètres. J'ai trouvé un truc très bizarre quand même, je voudrais pas dire, mais… À quoi ça sert? Je sais pas, ça doit être un code. Je suis sûr qu'il y a un 4 là. J'ai fait de l'escape game avant. Voilà. Y a un 4 et un 3. En plus, tu as de l'escape game. Parfait. Donc là, c'est un des adversaires de jouer. C'est le plus proche de nous. C'est lui, hein? Oui, ouais, c'est plutôt lui. Donc il va faire une case, deux cases. Il continue sa ronde, lui. Voilà, il est complètement paumé. D'ailleurs, il s'est pris un dégât de froid. C'est dehors. Parce que, mais il a un petit feu à l'intérieur de son. Il n'est pas symbolisé, mais. Alors, on lui met sur son petit… c'est lui. C'est le garde du corps, donc, okay. Donc lui, il a le rôle un peu ingrat. Et ben moi, c'est fait. À vous. Et ben alors. Moi, je vais continuer mes pérégrinations seul. Je sais pas ce que tu fous. Donc là, ça veut dire que tu ouvres la porte. J'ouvre la porte. Alors, ça compte pas pour une action, sauf quand tu es verrouillé ou quoi que ce soit. Mais en fait, donc, je fais mon déplacement, donc 1 et 2, là. Ouais, il se met bien, parce qu'il va pouvoir, looter donc, aussi. Hein. Je regarde un petit coup à gauche, je regarde. Donc, c'est le C. Le C, oui. Qu'est-ce qu'il va fabriquer? Qu'il fait? Alors, ah oui, non, on fait pas encore le A parce que t'es pas encore. Non, je vais essayer de le faire, mais ça va être long. Je sais pas si t'as... Sur un mur en face de vous, vous tombez nez à nez avec une affiche de recrutement émanant du clan de bandits de Chicago. Leur chef offre un salaire de 1 500 $ pour toute nouvelle recrue pour une attaque sanglante contre la tyrannie, comprendre les mines. Une récompense de 500 $ est également offerte à tous ceux qui pourront fournir de l'aide au chef de clan pour entrer dans les mines. Tu rigoles, c'est notre adversaire. Je peux ignorer l'annonce, je peux m'enrôler dans le clan et je peux offrir des informations à l'entrée des mines ou on peut laisser Matt dessiner des moustaches sur la photo du boss. Très bien, je suis d'accord. Sinon, c'est une bastos dans la nuque. Je te dis ça, Anne. Sinon, c'est une bastos dans la nuque. Bah écoute, ça tombe bien, j'ai mon marqueur sur moi. Il est pas sorti. Tu dessines des moustaches? Je dessine des moustaches, donc voilà, sur. C'est une œuvre d'art. Voilà, donc je loue mon œuvre d'art. D'accord, donc tu as laissé Matt dessiner les moustaches sur la photo du boss, c'est le D. Et voilà la photo du boss avec des moustaches. Voilà, en espérant que ça n'aura pas d'incidence par la suite. Qu'est-ce que tu sous-entends comme menace à deux balles, là, Lily? Laisse tomber. Ok. C'est ça. Oh non, le justicier. Donc on enlève C? Exactement. Voilà. Et donc, ouais, reste sur le côté. Ou tu peux le mettre avec toi, parce qu'on considère comme ça. C'est toi qui l'as. Oui, d'accord. Et du coup, en deuxième action, je vais évidemment looter le coffre à 4. Oh, après, j'ai pas de bol. Mais coffre bien pourri, je suis content. Fallait pas faire cavalier seul. Il est parti tout seul. J'ai l'épée familiale de Vichous. Est-ce qu'il y a un Vichous ici? Non, je ne connais pas. Amen. Je sais pas. Je ne comprends pas. Tu laisses traîner tes épées familiales? M'en parle comme pas, ça, toi. Ne m'en parle jamais, parce que sinon je vais penser que tu l'as volé de base. Bon, je mets tout ça dans le sac à dos, hein, peut-être. Mary Poppins. Mais qu'est-ce que je regarde le gars?
Et une balle dans la tête. Donc lui a joué. Ouais, lui a joué. Tout à fait. Alors et il reste lui, ouais, c'est le plus proche de nous maintenant. Oui, c'est il le va plus avancer proche. Suivant son pattern. Un, deux. Deux. Voilà, donc il avance tout doucement, tranquillement. J'aime bien quand il tourne en rond. et puis c'est à toi, Lily. C'est l'approche calme. Ouais, alors attends, c'était lui. Hop. Et voilà, ouais, il a tourné. C'est un bandit, lui. Voilà, donc maintenant c'est à moi. Bah, je vais encore bouger tout le temps. Que faire du déplacement. Donc. T'as deux. Un, deux. Donc ça, c'est ton déplacement. Un, deux, une action. Un, deux. Ah, t'es pas encore là. Et il y est. Oh, il y est. Il y est. J'aurais dû dépenser une phase d'action, mais on va le jouer tout de suite, comme ça on gagne du temps. Alors, avant même d'avoir frappé à la porte, une petite trappe s'ouvre, laissant apparaître les yeux d'un garde des mines. Il y a une bande sonore, hein, dans le. Oui, sound design par Guillaume, merci. Le garde des mines. La mine est sous alerte. Tirez-vous. On vient pour ça. Voilà, en apercevant Dawn. PNJ qui est aussi avec nous. Oui, j'ai écouté tout à l'heure. Voilà. Ouais. Le garde se détend un peu. Puis après avoir aperçu Jack, reprend. Avec lui, ça va vous coûter $3000 par tête pour que je vous laisse rentrer. Par tête ? Énorme. Je suis pas là, hein, mais bon, j'ai gueulé. Par tête ! Par tête ! Tout le monde passe en alerte. Voilà. C'est la grosse merde. Voilà. C'est un escroc ! C'est un escroc. Voleur ! Et je vous préviens, je ne prends que les trocs d'armes ou de soins. Donc, en gros, bon, rajoute-moi. Et du coup, alors, il y a. Non, ton épée familiale vaut 2500. Ah, commence pas. Commence pas. Alors, il y a quatre options, hein. Payer le prix par tête, hein, sans rien faire. Négocier. Alors là, on doit choisir entre apitoyer, séduire, raisonner ou menacer. Ensuite, on peut aussi jouer les héros. Ouais. Ou on va te défoncer, monsieur. On veut rentrer, mais on va commencer par défoncer le garde à l'entrée. Ça va pas le faire. J'ai fini mon tour. J'aurais pu. Il faudrait dépenser une action pour négocier. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. On sait que cette carte, donc elle remplace celle-là. Voilà, elle remplace. C'était la 2B là. Ouais, ouais, tout à voilà. fait. Donc elle est là. Voilà. Hop, on la met ici. Elle a une petite clé, donc ça veut dire qu'elle verrouille. Mm-hmm. Et pour l'instant, c'est notre objectif actuel. J'ai fini mon tour. Le prix par tête, $3000 par tête, quoi. Ouais, sérieux. C'est pour ça, c'est faut peut-être négocier. Et on est trois, c'est ça. Ouais, j'ai rien moi en plus. Moi je peux entrer. Hein. Ouais, toi tu rentres. Si jamais tu vends mon épée familiale, tu sortiras par la peau tu du pourras, cul. Tu pourras faire une attaque furtive peut-être pour récupérer le matériel. Par exemple, si je essaye de séduire, ça passe à 5000 par. Si tu échoues. Vu sa tronche. Ouais. Ah ouais, non, vous avez raison, je vais pas vous laisser rentrer. On peut payer avec Lily. Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais roleplay, sexuellement parlant, ça peut valoir quelque chose. Elle a 17 ans. Elle a. Bah oui, mais à cette époque, on a dit qu'il n'y avait plus de loi. Non, tu trouves que c'est un peu raide quand même? Je suis pas là, j'entends pas. Ouais. moi, je suis dans mon micmac de mon côté. Ouais, allez, d'accord. Ok, c'est bon, donc, c'est bon. Ok, donc j'ai fini mon tour. Lui a joué. Oui, lui a joué. Donc, il y aurait lui. Voilà, y aurait le bandit continue à faire sa petite ronde pour l'instant. Il s'approche de toi, un garçon. Voilà, exactement. Tout va bien. Il est jusqu'où, en fait? J'ai une offre d'emploi. Non, t'as pas d'offre. Je viens ici pour l'offre d'emploi. Donc ça, c'était un des bandits. Hein. Voilà. Okay. Donc ensuite, il reste nos deux autres. Par contre, ils n'ont pas de pattern de déplacement. Donc en gros, c'est des renforts qui attendent. Pour l'instant, ils sont passifs. Okay. Ils sont là en état d'alerte. Si jamais il y a besoin. Par contre, dès qu'on sera détecté, on fera des bêtises. On va se faire. Alors, tout le monde a joué. Oui, là, tout le monde a joué. Donc. Maintenant, c'est donc la phase donc, de scénario, mais on a vu que elle pour l'instant, on n'a pas encore réglé, on n'a pas loqué. Okay. Donc, on passe à la phase menace. Et c'est moi qui joue en premier. Oui, c'est tout à fait. Ouais. C'est toi qui as achevé ton. Ok. Les lobbies. Qu'est-ce qu'il y a sur la caisse? Oui, les rats. Oh, allez, Camille, qui est avec nous en direct live parmi les abonnés, m'a porté bien chance. C'est pas des rats garous, mais la nuée de rats me tombe dessus. C'est un test à 3 en agilité. Ça va, c'est ta majeure. Ça va, majeure. J'ai deux en plus, adrénaline. Tu pourrais claquer. Alors, on va nous faire un 5. Oh là 3. Là, 3 magnifiques. Ça passe. Apec, ça passe. Sinon, voilà. La nuée de rats. Ah, puis. Donc, j'ai pas fait d'échec. Voilà. OK. Puis, la nuée de rats attaque toutes les figurines alliées aux ennemis à 2 cases de la cible initiale. Voilà, il y a un peu personne. Ils sont partout et ils me laissent tranquille ensuite. Voilà. OK. Ensuite, c'était toi. C'était moi, oui, tout à fait. T'as dessiné une moustache. Oui, et d'ailleurs, le plafond s'effondre. Voilà, c'est. Il ne fallait pas. C'est ça, pas dessiné. La fiche tenait le mur. Il a pris trop ça, il a pris. Ça faisait office de mur porteur. Il a fait la moustache. Ah bah, mince. Donc, c'est le karma. Je fais un test donc, de force ou d'agilité. Bon, de toute façon, je ne suis pas bien vivace. Ni, c'est vert jaune de base. Ouais, vert jaune, dans les deux cas. Allez, allez. Alors, attends, par contre, je n'ai pas la suite.
Test 2 ou 2. 2 en force. Mais parce qu'on est en niveau, on est en niveau de menace 0. Oui, tout donc, à fait. Donc le test n'est pas le même que si on était en niveau de menace. Ça passe tranquillement. Oh là, j'arrive à. Je bloque le morceau de plafond avec mon poing. Oui. Avec ton pouvoir même, carrément. Avec mon pouvoir, oui. Tiens, et ça. Donc par contre, on voit. On ajoute un jeton gravat sur la case et on décale la figurine d'une case. Tu veux aller où Je vais. Vers la porte. Ouais, vers la, voilà, vers la porte. Il va repasser par l'intérieur, mais bon. Ouais, okay, là, très bien. Il va commencer à te voir, l'autre. Voilà. Et moi, j'ai fait. Bah, il y a un précédent gars qui a voulu rentrer et il a fait des bêtises. Le garde n'a pas été d'accord. Non, il n'a pas été d'accord. D'accord. Donc perception à 3. Voilà, perception à 3. Donc je suis. Alors je vais prendre des jaunes et le dé vert. Bon, bah c'est. Ah ouais, voilà, ça a réussi. 4, ça alors, c'est bon. Donc si c'est une réussite, c'est dextérité 1. Dextérité. Donc là, c'est pareil, je suis jaune-vert, donc médium. Oh, on la compte à 2. Allez, on la compte à 2, ça passe. Tu pioches une ressource. Ouais. Allez, hop. Ah ben, j'ai une petite seringue de soins anesthésique. Elle vaut combien? Elle vaut 100. Ouais, c'est, on est super loin des 3000. J'ai un peu loin du... Ouais. Non, mais attends. Négocier, ça pourrait être un peu moins cher. Alors, jouer les héros... Bah, on peut jouer les héros, il va nous demander d'aller buter le boss. Vraisemblablement. Bas, ouais, on est d'accord. Parce qu'ils ont dit que la mine est sous alerte. Donc oui, il vient nous, a de crier la figure, tirez-vous. Donc, il est accessible, que... non? Non. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. On dirait que tu le crains, Lily. Bah, moi, j'ai qu'un pistolet, hein, je veux dire. Non, mais je te passe un truc. Ah ok, si t'en as, ouais, si t'as une arme. J'ai largement de quoi faire. Il faudra quand même que tu te rapproches de moi. Pour... Non, mais on va se rapprocher. Ouais. On décide de jouer les héros. Je te file une arme, je lui balance une grenade à la tronche, on lui tombe tous dessus, puis on revient en héros. Ouais. C'est super jouable. C'est jouable. Enfin, j'ai oublié qu'il y avait Matt avec nous, c'est vrai. Ouais, alors moi, ce que je peux vous proposer, sinon, c'est... Voilà, moi, on s'engage avec eux. On s'engage avec les bandits. la porte, on le fout, gros coup de tatane dedans, on entre. C'est et beau, puis c'est du coup, on envahit le... On a... Et ouais, on envahit mais non, mais attends, il y a Dawn. Dawn, elle est avec nous, elle est censée normalement nous accompagner et nous ouvrir la route. Ouais, donc là, si tu veux, on la trahit bien en face. Bah. Ouais. Alors, on n'a pas de joueuse de down là, c'est dommage, mais moi je serais pour qu'on fasse copain-copain avec les bandits. Regarde, ils sont armés jusqu'aux dents, enfin on peut pas lutter quoi. Ouais, le type il y a une chaîne là, enfin c'est. Bah, justement, je veux bien lui piquer moi. Alors, si, petit délire, si c'est la chaîne qui t'intéresse, on peut se débrouiller tous les deux. Je prends la chaîne, je t'en ferai frotter le dos, tout ça, tu vois, c'est fait moi. Non, mais en plus, ce que je fais est complètement incohérent. Je lui dessine des moustaches, après, hey, je viens pour le job. C'est ça, montre-moi l'affiche, qu'est-ce que tu as dit. Je viens pour le job, c'est toi là, hein, c'est ça. Il faudra faire un test de charisme, peut-être pour le convaincre que les moustaches lui vont très bien, tu sais que ça va être difficile. Non, mais tu veux bien? On joue les héros? Allez, on joue les héros. Sans pitié. Ah, il est bon. Merci Adrien, je savais qu'on pouvait compter. Allez, on va jouer les héros. Alors, on est. Alors, attends, on a fait les menaces. Ouais, on a fait les menaces. Géré, ouais. Voilà, donc maintenant on régénère les actions, ouais. On redresse les cartes. Ceux qui sont dehors, ils prennent un ch'touille. Donc lui, il passe à deux. Dedans, on soigne un. On soigne un. T'es encore dehors là? Oui. Oui, je suis dehors, donc j'en prends un deuxième. Mais il va falloir que tu rentres. Oui, il va falloir que je rentre. Et c'est maintenant qu'on joue les héros à 3C ou pas encore? Alors là, je peux jouer, pendant mon tour, je pourrais aller regarder la carte. Ouais. D'accord, à ton tour. Bah, à ce moment-là, commence. Oui. De toute façon, les bandits, ils sont un peu amorphes. Donc autant profiter justement pour faire ce qu'on a à faire. Bah oui. Ok. On est encore super discret. C'est toi qui joues en premier? Ouais, allez, je joue en premier. 3B, 3C. 3C. Welcome to Chicago. Alors, vous proposez aux gardes de vous débarrasser du problème des mines en échange de quoi il vous laissera tous entrer. Rentrer. Objectif, tuer tous les bandits du plateau. Bon. Oh. Voilà, et la prochaine brue, c'est vous avez terrassé tous les bandits présents, vous avez été vaincu. Oui, c'est l'un ou l'autre. Ok, voilà. Non, mais c'est bien, écoute. Voilà, donc là, j'ai fait une action déjà. C'est dommage, lui est un peu loin, il aurait fallu qu'on l'élimine avant, mais enfin, j'imagine que... Ah, mais non tu peux on peut le laisser crever de froid. Ah non, t'as dit qu'il avait... Il va faire son tour et il va revenir dans sa cahute pour se réchauffer. Ah, mince. Donc, il va pas mourir tout seul. Mais par contre, là, il est blessé, quand, là. Donc, quand tu auras plus que lui, Ok. Donc là, j'ai fait ma première action. Ouais. Moi, je suis non-violent. Moi, j'ai pas envie de me battre. Ne les tue pas. Tu les convaincs de se barrer. J'ai envie d'avoir du loot, moi. C'est toi qui as dit, tu veux pas être non-violent. D'accord, on va causer avec eux. S'il vous plaît, partez. S'il vous plaît, soyez gentil. Alors, je vais aller chercher du loot, moi. Hein, parce que je suis un peu... Attends, en plus, je suis en train de prendre des dégâts, là. Donc, un, le gars est de dos. Deux. Et puis, j'utilise mon instinct, justement, pour faire la dernière case. Et ça, c'était mon déplacement gratuit. J'ai utilisé une action. J'ai encore une action. Tout à fait. Et je prends que 4. Bon, bah écoute, la vie est dure. 1, 2, 3 et 4. Ça l'arme de ouf. T'as des armes de ouf. Mais oui, exactement. J'ai un pistolet mitrailleur. Bon, je vais l'équiper. J'ai chopé une arme, heureusement.
Et du coup, je pourrais vendre peut-être mon pistolet pour 200 $. J'ai des composants mécaniques et composants. J'ai de l'alcool médical, mais alors je peux pas le couper. Parce que là, on voit qu'il y a le craft. Il veut, il veut du verre et des armes, c'est ça? Ouais, du désarme, des grenades, des choses comme ça. Normalement, on a dit qu'on jouait les héros. Je joue les bastos. Okay. Là, c'est deux jaunes posés sur une. La grenade en piège, c'est du level 1, donc c'est une action. Ouais, une action. Mais je peux et pas la lancer. Si, si, tu peux la lancer. Ah, d'accord. Et là, du coup, sur. Les cases. C'est toutes les cases qui seront touchées. Ouais. Touchées, c'est deux jaunes. Deux jaunes, ouais. Non, mais ça, c'est très bien, ça. C'est très bien. Faut alors, ça sur le ça, boss. La pièce est. Enfin, voilà. La pièce ensuite, est ravagée. Quoi. Est, voilà, et ensuite, tu jettes la carte. Ok, donc tu as fait ton tour. Voilà, j'ai fini mon tour. C'est lui le plus proche. C'est le plus proche. C'est ça. Un, alors, deux. Il repartait plutôt comme ça, je crois. Il était là. Ouais, il était en train d'avancer. Il fait c'est marqué sur le livret de scénario. Ah, il fait pas le tour complet. Si, là, il est en train de faire le tour. Ensuite, il va revenir. Ah, oui, d'accord. Donc, il était là. Voilà. Donc, ça fait 1-2. Voilà, et il avance par là. Bon, on a décidé qu'on jouait les héros, donc je donne un gros coup de... De latte dans la porte. Un gros coup de latte dans la porte. J'interagis. C'est moi. Donc, je tire en l'air en beuglant des insultes à propos de la généalogie des bandits, surtout de leur chef. T'es détecté. Lui, ta mère était un rat, parce qu'il y en a plein, c'est peut-être ceux que j'ai écrasé. Le token furtif. On va le voir. On prend un jeton menace gratuit, parce que bon, bah quand même. T'as fait n'importe quoi. Voilà. Je joue les héros. Ah, tout à fait. Alors là, il a copié de la lettre. Je suis avec toi à fond. Ok. Donc, je tire en l'air, je gueule. Ouais. Qu'est-ce que j'ai apporté? Donc, parce que là, j'ai fait mon. Alors, on va dire que j'ai fait mon déplacement de deux cases, mm-hmm. Elle est ici. Oh la vache, Tu vas te faire allumer. Hein. Non, mais c'est super, mais je vais venir t'aider. Je vais balancer une grenade au milieu de tout le monde. Si tu pouvais attirer les trois bandits vers toi. Je suis pas sûr qu'ils viennent. Il va jouer au héros, il va montrer comme ça la mécanique de. Donc, déplacement gratuit. Ouais, j'ai fait mon déplacement. Taper la porte, c'est pas une action. Non, mais il a passé, ouais. J'ai interagi par contre, t'as tiré. J'ai tiré en l'air, oui. J'ai interagi. Okay. Donc, je vais utiliser ma deuxième action pour… Pour faire quoi? Pour tirer avec le fusil à... T'es trop loin. Je suis trop loin pour le fusil à pompe. T'as pas une grenade achetée ou un truc comme ça? Ah, est-ce que j'ai une grenade sur moi? Est-ce que je peux lancer la lame familiale de Vichous? Il va casser ma lame. Non, alors, j'ai un cocktail Molotov, mais c'est jusqu'à 3 cases. Ah, est-ce que je peux utiliser mon instinct avec la télékinésie pour porter le danger à l'adversaire? Oui. C'est voilà. Super bon. Alors, c'est parti, tu utilises. Donc, j'utilise 3. Mon cocktail Molotov. Alors, est-ce que tu as du stress? Est-ce que tu as de l'adrénaline à dépenser? Je n'ai pas d'adrénaline, je pense que je vais me prendre un strain, un dégât mental. T'en prends un, ouais, c'est marqué. Ouais, un. Alors, t'en prends un. Ça fait bobo la tête, mais au moins, c'est efficace. Donc, alors, oui, effectivement. Il faut quand même réussir ton jet, mon ami. Ouais, une, deux. Ouais, donc ça va. Ah oui, 3 plus 1. Oui. Ouais. Plus 2, c'est à 2. Oui, 2 cases, pardon. Deux là, cases, deux. Ouais, ah, bah alors, donc là c'est en plein sur leur tronche, donc j'arrive, je vois des games de cocktail Molotov. Je fais un test donc de. Bah, d'intellect. Intellect. C'est l'intellect. Bon, c'est ça va. Du 2 des verts pour toi, ça va. Non, je suis à 1 des verts et 1 des jaunes. C'est toi les 2 des verts. Ah, oui, d'accord. Il faut faire 3 quand même. 3. Tu déplaces un objet sur 2 cases. Eh ouais, il faudra que tu t'améliores un peu. Tu peux. Aie confiance en toi, aie foi. Et ça... 2 et 1 adrénaline. Mais je n'ai pas, donc ça ne passe pas. Donc ton cocktail Molotov s'écroule à leurs pieds. Bah ouais, ouais. Il attend 1, 2, 3 ici. Oui, voilà. Ça... C'est bon, les gars, on peut se chauffer. Il a fait un petit feu. Ouais, c'est ça, donc bon, le niveau d'alerte doit augmenter bien. Hein, c'est... Ils sont cons, ils nous balancent des trucs, mais pas sur la niche. Moi, les tirer, ça va. C'est... Non, j'ai un adrénaline, s'il te plaît. Oui. Ouais, un adrénaline ici. Ah, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc je regarde, j'ai fait de la fumée, c'est cool. Et le plus proche de toi se déplace. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Au pif, choisis. Alors, ce sera celui qui m'avantage le moins, en fait. Donc, ça va être lui qui va me tirer d'accord. dessus directement. Voilà. Donc, il avance de 2. Voilà, il fait 2, mais ça, comment ça s'appelle, sa caractéristique, son comportement. C'est se planquer et tirer. Voilà, donc c'est un bandit. Donc, en fait, il se met là. Ouais, il se met là. Et en fait, il va pouvoir viser avec une ligne de vue. Donc, on choisit un des angles. Oui, on le voit. De toute façon, il est bon. Ouais, alors là, il me voit, mais il y a l'angle qui prend, est là. Il prend la case et il doit voir celle-là. Il me voit à l'opposé, donc il voit parfaitement. Donc, il peut compter les cheveux que j'ai sur la tête. C'est ça. C'était un bandit classique. Il prend un 2 jaune à des verts. On regarde aussi sa portée qui est indiquée sur sa carte. 0 à 5, il est tranquille. 0 à 5. Oui, non, mais là, il m'a dans le collimateur. Guillaume, je te laisse lancer parce que tu fais des beaux jets. Attends, il a un des blancs aussi, monsieur, parce qu'il peut te un critique aussi là. Et pourquoi il peut faire un critique, c'est pas marqué? Alors oui, c'est un work in progress, il faut qu'on le rajoute. Il faudra le rajouter. Oui, voilà. Ah oui, il peut faire un critique. Il peut faire un critique aussi. Super armé les mecs. Ah bah, Par contre, j'ai le droit d'être défense moi. Oui, t'as le droit d'être défense. Bah écoute, il fait 3. Il fait 3.
Ouais, fait 3 et moi j'en esquive 2. 2. Oh. Bien. Alors, un petit déhanché. Point de petit déhanché. Voilà, une petite blessure. Monsieur. Donc voilà, ça un plus. Il a tourné, hop, il a joué, le bandit. Un pec. J'ai une migraine et une balle dans l'épaule. Tout va bien. Tout va bien. Cela dit, si alors. Matt se fait dessouder, ça coûte moins cher pour nous de rentrer. Voilà, nous, c'est ça. Non, je déconne, Matt, mais non. Matt la menace. Alors, tu veux aller où là maintenant? Attends, pourquoi on n'a pas remis ça, nous? Si, non, c'est oui, t'as oublié. D'accord. Parce que tu l'avais gardé. Attends, bah moi, il va falloir que j'aille l'aider quand même. Donc là, ça me coûte 1-2. Ouais. Alors, il va falloir que tu passes par la porte ici. Parce que là, on peut pas. Oui, tu peux là. Non, là, il y a un mur en fait. C'est, ah, le, fait c'est le mur du bâtiment en fait. Tu peux. Mais là, si tu montes en diagonale ici, tu pourras passer là et galoper. Donc ça fait 1-2. Voilà. Et ton 3. Tu sautes par-dessus. 3. Voilà. 3 est là. D'accord. Voilà, tu as fait ton déplacement gratuit, on va dire. Ouais. Alors, où est-ce que tu veux? Tu peux aller voir aussi le point B qui est là-bas. Il y a un point d'intérêt là-bas. On sait pourquoi. Bah oui, mais à ce moment-là, il valait mieux que je saute de l'autre côté alors. Non, tu ne pouvais pas passer là en fait. Là, c'est un. Comment ça s'appelle? Ah, c'est un escalier qui descend. C'est un escalier qui descend vers le bas. Ah, bien vu. Ok, d'accord. Bah, de toute façon, la porte, c'est une action. Non, tu la passes dès que tu la passes. 2, 3. Ça, c'est ma deuxième action. Voilà. Attention aux bandits là. Pas une ligne de vue là. De toute façon, bandit, je crois qu'il sait que je suis là. Donc, vas-y, ouais, je l'ai mis en dessous pour ça. Alors là, il peut te voir. 1, 2, 3. Ouais, non, là, je prends. Bah, ça dépend. C'est... Non, alors. Cette case à cette case. Ouais, parce que je finis sur celle-là. Hein. Ouais, il va te voir là. Oui, mais moi, après, tu peux claquer ça. Je peux lui tirer dessus, moi. Ouais, tu peux. 1, 2, 3. Oui, il regarde par là, mais. Il regarde par là. Mais même. Tu vois toutes les cases. De toute façon, je peux lui tirer dessus. Si je suis là, je peux tirer dessus. 1, 2, 3. 4. Ah, il aura une relance. Il est à couvert. Il est à couvert, ouais. Ouais, parce que tu traverses sur une ligne rouge, en fait. Tu vois quand même un bout. Voilà. En fait, tu as le droit de choisir n'importe quelle de tes cases. Pour donc, si tu arrives à voir l'opposé, ouais, voilà. L'opposé, ben, l'opposé, c'est la ligne rouge. Ça traverse la ligne rouge. Non, si je prends celle-là, non. Ouais, voilà. Donc, là c'est ça, bon. C'est bon. Ouais, ouais. Ça passe. Donc, ça veut dire que si je finis là, je peux lui tirer dessus et il n'est pas en couvert. On est d'accord. Ou il est en couvert parce que les autres ne sont pas à travers rouge. Oui, non, il sera quand même à couvert. D'accord. Il y a le... Parce que tu arrives à le voir quand même, mais les autres points sont obscurcis. C'est ça, c'est les autres points. Avec une ligne, tu le vois. Voilà. Si les autres lignes passent à travers le couvert, c'est du couvert. C'est ça. Ok, ben voilà, la règle est claire. Impec. Bon, et eh ben écoute, voilà, ça c'est fait. Et en plus, donc, il aura le droit de rejeter. Mouvement gratuit, j'ai fait mon mouvement et je vais quand même lui tirer dessus parce qu'il le vaut bien. Donc ça fait 2, 1 et 1, et il a le droit à une relance. Il a le droit à une relance s'il a fait un mauvais. Parce qu'il est sous couvert. Ah non, 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 oula, il a le droit à une relance parce que je suis à plus de 3. Gratuitement. 1, 2, 3. Et donc il a une deuxième relance due au couvert. Ah non, le couvert compte. Le couvert compte. Ah, le vrai Guillaume, c'est le bouclier. Les boucliers comptent, et en plus il a le droit de relancer. Voilà. Alors. 3, 4, 5. Ah dis donc, j'ai encore enrayé mon arme. Voilà, vous savez, c'est 4. Et il fait 2. Donc là, il a quand même fait un bon résultat. 1, 2. Et il compte l'esquive ou pas? Non, non, non. D'accord. Donc 4 moins 2, 2, il se prend 2 pêches. Il se prend 2 pêches. Alors, c'est pas il mal. Il a demi-vie là quand même, pépère. C'est pas mal. Alors c'était lui. C'est encore un autre bandit. C'est celui qui a joué hein, déjà lui. Oui, c'est lui. Il s'est déplacé, ouais. D'ailleurs, lui aussi a joué. Hein. Oui, il a joué. Il a joué ouais, mais il n'a pas pris. Il a pas pris. Oui, c'est ça. Donc lui, on le tourne. Mais il n'a pas, voilà, il n'est pas blessé. T'as raison. Il reste un garde du corps, c'est là-bas. Ouais, ouais. Pour lui. Maintenant, après on a mon joué, tour, donc, voilà. Ça c'est joué, on a tous joué. Ouais. J'avais. Ah mince, mais non, j'ai pas dépensé mon adré. Bah, je peux faire un déplacement. Tu peux le faire, ouais, tu peux te cacher. Tu pourras même toi-même te mettre à couvert pour te cacher. Ou t'ajouter une défense supplémentaire si t'attaques en fait. Ouais, bon, bah, je vais la garder en cas de défense. Allez, voilà. Hop, ça marche. Donc, par contre, t'as tiré dessus et t'as pas. Oui. Il t'a quand même vu. T'as suspecté. Ouais. T'es suspecté au moins. Voilà, t'es même vu. Ouais, hein, il a suspecté, je lui tire dessus. Il s'est pris une lame. Il s'est pris une lame au niveau de l'épaule. Je pense qu'il est plus suspecté. La lame est partie, elle est revenue. On l'a détecté, c'est pas grave. Pas de. Ok. Superbe. À qui le tour? Eh ben, c'est à eux. Ils doivent tous finir leur tour. Ah oui, d'accord. Donc, bon, oh la vache. Du coup, là, ça va être toi, là. Ouais, ouais, alors là, c'est pour moi. Je vais me prendre une avalanche de plomb. Oui. Ça va être. C'est dommage, tu ne l'avais pas cherché en plus. Bah non. non. du coup, donc ce jeune homme va venir me tirer dessus. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Ouais. Hop. Donc, il a un. Il aurait pu tirer de là, il était à couvert en plus.
Je suis à couvert ? Non, lui, non, il a lui. Couvert. Ah, lui, il a couvert. Oui, bien, vert blanc, oui, non, il est petit. Il est très bien. Il a le nid bleu, là, donc il a couvert. Donc il est protégé, il va te tirer dessus tranquillement sans bouger. D'accord. Il choisit de ne pas tirer. Oui, surtout qu'il tire à 5. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5. Il t'a. Pas de problème. Et en plus, il est en hauteur. Donc la hauteur, ouh la vache, il a combien en hauteur? Il t'a fait un crit là? Oui, il m'a fait un crit, c'est bon. Il a fait critique. Critique, plus il a 2. Il a un plus 1 automatique parce qu'il est en hauteur. Donc ça fait. Bon, 1, 4, 2, 5, 3, 4, 4, 5, 5, out. 5, out. Et toi tu fais une esquive. Ouais, mais l'esquive le il critique, a cancel, ouais, en fait. Le critique annule le dé de défense. Du coup, bah, je m'écroule. D'accord, dans le sang. Le corps criblé de balles. Voilà, donc le héros n'est pas éliminé tout de suite. Ouais. Il tombe sur le ventre et en fait, comme dans certains jeux, il va pouvoir ramper d'une case par tour. Et c'est à nous de dire, est-ce qu'on le sauve ou pas? Non, on peut aussi lui dire, tu t'es mis dans le caca tout seul. Ouais, mais il a alors, mal par l'âme. Contre, si on est tous par terre, on c'est est vaincu. Bah voilà. Oui, je sais bien. J'ai ton épée. Il est en train de négocier son sauvetage. Vicious, j'ai ta larme de famille. Voilà, il a été détecté tout ça, il y a eu des tirs, donc on rajoute automatiquement un niveau de menace. Un niveau de menace en plus. Ouais. Donc, lui, c'est fait. Mais ça peut même être lui d'ailleurs. Donc ouais, lui il fait quoi de... Il bouge ou il alors bouge l'autre pas il va pouvoir, oui, il va pouvoir avancer. Il va demander l'autorisation à son copain qui lui laisse de passer. Ouais, passer. 1, 2, 3. Non, ils ont ouais, que... Ouais, 4. Il va se déplacer de 4 vu que maintenant il est en alerte, donc il utilise aussi son déplacement. Ah oui, d'accord. Déplacement voilà. Plus action, enfin, déplacement. Ok. C'est lui. Ok. Voilà. Donc ça c'est good. Et puis le boss. Bah non, lui il avait déjà été activé. Oui, il a déjà été activé. Il y a lui, oui. Oui, bah lui il va essayer de se rameuter oui, pour aller aider ses équipiers. Ouais. Donc il part vient par quoi l'endroit le plus proche. Ouais, c'est, voilà, c'est ouais, ça. Par ici. Donc par ici. Il va faire 4 déplacements. 1, 2, 3, 4. Ah bah c'est bien, on n'aura pas à le chercher. Ouais. Il passe un tour dehors, donc il reste à 3. Ouais, il passe à, il 3, reste 3, à 3 en, en froid. Et toi, tu passes à 3 aussi. C'est ça. Donc attends, il y a les menaces. Hein. Oui. D'abord, on ah oui, il y a d'abord les menaces. Et le boss. Et le boss, alors. Le boss, c'est un poteau. Il reste pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Il reste. C'est seulement si on rentre dans sa pièce. Et il laisse ses copains travailler, tu sais. C'est un... Il va pas se salir les mains pour du. Bah, du menu fredin. Oui, c'est attends. Surtout que, bon, il y en a un déjà qui a été neutralisé, donc il y a un tiers du taf qui est fait. J'ai un suppositoire effervescent, moi, monsieur. Oui. Et je vais lui coller là où il faut, il va comprendre. Ok. Ok, donc qui a été le premier joueur? C'était. Alors, oui, c'était moi, je crois. C'était toi, hein. C'était oui, moi. Encore une fois. Pourquoi encore une fois? Bah, ah, j'ai déclenché un piège. Bon. Alors là, on a de la chance, on est encore qu'à niveau qu'à de menace 2, ouais, deux, ouais, deux, ouais. Mais ouais. Je pourrais très bien foutre le, hein, le soin pour vous. Alors, test à 2, je fais 3, c'est 3, bon, ça passe. J'aurais même réussi l'autre, donc pas d'échec, il n'y a pas de réussite, donc c'est un... C'est juste que tu l'as évité. Voilà, par ça contre, c'est marqué, si ce test est réussi, placez un pion piège sur la carte. Donc en fait, je laisse la carte en jeu, ouais. Et ça fait un piège, en fait, qui pourra être activé si un adversaire passe dessus. Je vais le mettre. Je peux le mettre sur une case adjacente. Eh ben oui, c'est là où tu l'as déclenché. Bon, je vais le mettre ici où bah oui, il y a un ennemi rapport, qui rentre. C'est drôle. Voilà. Ils avaient piégé l'endroit, c'est beaucoup plus malin. Exactement. Ok. Voilà. Ensuite, c'était. Bah, moi, j'ai pas vraiment. Non, t'as joué en dernier, Guillaume. Ouais, moi, j'ai joué en dernier, donc, ouais, c'est, donc c'est mon tour. Bon, moi, délabrement, bon, il y a. Bon, bah t'es voilà, il y a des graviers qui me tombent dessus, quoi. Ça te décale. C'est des gravats ou c'est un délabrement? Délabrement. C'est le délabrement. Délabrement. Il n'y a pas de... Y a pas de... Il essaie de... Bah en fait, c'est bien, t'es déjà enterré. Oui, ah, c'est bien, cool. C'est bien. Bah on aura sa tombe sur place, on saura où venir prier, hein. Ok. Faut pas jeter des cocktails Molotov. Et à toi. chute de gravat, on est en 0, donc force 2 ou agilité, mais non, Vicious, il est plutôt en agilité, je vais prendre 2 dés jaunes. Allez, un 2, bah, c'est du pile poil à chaque fois, hein, ouais, heureusement. Donc on ajoute un gravat, un ouais, petit gravat à cet endroit-là, et un, je décale de 1. Et bah, écoute, on va économiser du mouvement, et puis on va se jeter dans l'arène, puisqu'on a dit qu'on jouait au héros. Et n'oublie pas que tu as encore ton petit. Ah oui, donc. Jeton, parce que lui, il avait déjà agi, donc il n'est pas. C'est quoi c'est tuer tous les bandits. Ouais, le chef de garde, le chef de bande est un bandit. Oui, ok, d'accord. Il a son petit symbole. Je vais m'occuper de lui. Si je vais là, je alors, suis attends, à 3. Attends, parce que là, on régénère. C'est à ce moment-là attends, qu'on attends. Met, les, ouais, ouais, on met les dégâts supplémentaires pour je me moi, déplace. Notamment. Non, je me déplace. T'aurais pu... Ouais, voilà, tu et te là, déplaces. Et là, on régénère. Voilà, c'est ça. On peut avancer déjà. Bon, allez, dernier tour. Juste pour le fun. Ouais, dernier voilà, tour. Ouais, hein, le combat ouais, singulier avec le boss. Le combat avec le boss. Juste pour voir si... qu'est-ce qu'il a dans le bide, le mec. Hein, d'accord. C'est une action de changer d'arme. Tu peux utiliser ton instinct aussi. Ok, bon, je vais voir. Parce que j'aimerais quand même bien lui faire... Ou alors, je lui place une mine dans la gueule. Le rouge, ça fait mal. Le rouge, ouais, énormément. Mais faut qu'il marche dessus activement. Donc, ouais, au pire, attends, tu fais rentre, je rentre et je lui mets sur la case adjacente. Donc, ouais, et après, tu te casses et boum. Ouais, il marchera dessus.
quand tu viendras te chercher. Est-ce que l'instinct me permet de me déplacer même quand je suis mourant? Non. C'est ça. Discrètement. Pendant que je fais blablabla, je mets la mine et il l'a pas vu. Voilà, il a... Oh, il se moque de moi. C'est de la prestidigitation. Exactement. Okay, non, mais pas de soucis, pas de soucis. Moi, ça me va très très bien. Donc, non, tu peux pas utiliser Instinct. Non, je veux pas. Je veux pas te tendre ta lame pour que tu. Pour que je la chope au passage. Oui, voilà, pour que tu pourfendes. C'est drôle. C'est pas mal. Parce qu'elle est bien la lame. Bah, elle est un peu rouge, jaune, blanche. Hein. Plus rouge, jaune, blanche, plus même violet. Alors le rouge. Rouge, ça fait super mal, hein. Ouais. Alors, c'est une relance, en fait. C'est pas violet, c'est ouais. Un relance. Ah, c'est une relance, relance ouais. Et une relance gratuite. Ah, dis donc, je suis à distance, je pourrais lui taper deux fois. T'es sûr qu'il peut pas me la donner? Tu peux la lancer avec ton pouvoir. Allez, on va te donner le pouvoir. Oh, bah, les guillemets, c'est vrai que c'est bon. Prends-toi encore un dégât mental. Ouais. T'es déjà à moitié mort. Tu le rajouteras. T'imagines, il est juste dans sa poche. Sors de la poche. Non, mais en termes de film, ça serait. Ouais, non, alors là, ouais, on est sur du. Le mec chope la lame, il avance vers le chef. Deux coups. On est sur du fitness Hollywood, là. Allez, ça serait génial. Je fais mon petit test. Bon, tu fais ton test et. Adrien, tu peux le faire, tu peux, je t'en prie, réussis, ça serait excellent. Allez. Parce qu'attends, à ton tour, t'as le droit de te déplacer de 1. Oh, mais là, mon. Ouais, ouais, ça va être à l'adversaire aussi, fais gaffe. Hein. Ouais, mais maintenant, ça va être forcément l'adversaire. Ouais, mais on s'en fout. Pas grave, ouais. Qui c'est qui peut venir à part. Bah, ça passe pas, de toute manière. Ah, si, je gagne un adrénaline. Si, t'as un adrénaline, tu peux relancer. Je relance je vais relancer le vert. Hein. C'est hollywoodien, c'est la force du. Ouais, non, mais là, c'est vraiment le. La force du. Allez, réussis. C'est là qu'il faut. Et non, donc l'épée tomberait à deux, ouais, hein, t'as dit. Ouais. Ah non, même pas. Si, à deux, il la jette à deux. Ouais. Il la jette à deux, quoi, au lieu de la lancer à trois, ouais. C'est ça. Donc l'épée serait par là. Ouais. Oui, potentiellement. Tu peux la mettre, ouais. Y a pas... Ouais, donc ça veut dire que si je fais ça. Ouais. Voilà, donc ça ferait un. Tu la récupères. Dans... Tu n'as pas besoin d'aller sur le truc adjacent. Sur une adjacent, tu peux la récupérer. Ouais. Ah bah voilà. Ouais, mais alors ça me coûte une action. Je pourrais le taper qu'une fois. Mais avec l'épée. Mais avec l'épée. C'est comme la classe. Voilà, on peut autoriser collégialement qu'il utilise son instinct. Ah, ça, c'est bien, ça. Instinct pour récupérer l'épée. Pour récupérer, parce que c'est quand même cool. Une action, interaction, on va dire. C'est cool. Ah, si, quelques oui. Dizaines de secondes, c'est pas, ça te prend pas 5 secondes, je vais là, je prends là. Au lieu de la prendre comme ça, je me baisse, je la ramasse. Voilà, tu te l'équipes. Alors, hop, tu prends l'arme. Et en plus, tu as le droit de te l'équiper direct. Oh, purée. Attends. Donc, déplacement gratuit. 1, 2, 3. Bisous. C'est ça. Dis donc, c'est toi qui embête mes copains. Ah, il reste deux actions, jaune, rouge et blanc. Et là, Guillaume, dans toute sa splendeur, échec critique, ouais, il se coupe la main avec sa propre lame. Je le sens bien aussi. Attends, hein, ouais, les bronzés font le ménage. Il a fait deux esquives alors, quand même. Non, alors, il est blindé, lui, il utilise, c'est marqué sur sa carte qu'il est blindé. Alors, il n'est pas mis sur ses bords. Donc il l'a pas, donc il n'est pas blindé. Alors, c'est deux esquives. Voilà, deux esquives. Comme ça, c'est rapide. On va essayer de faire les choses correctement quand même. C'est ça. Griffe 2 et 2. Donc voilà. Il se prend 4 et griffe. Et j'ai une relance. Ouais, t'as une relance. Ouais. Donc là, c'est quand même 2. C'est pas mal sur le dérouge, mais tu peux faire mieux. Bon, t'es à 4 sur le dérouge. Là, donc tu vas lui faire un dégât sur la durée. Eh ben tiens, voilà, 3. C'est... 3. Donc alors, 3 et 2, 5 plus griffe. Voilà, alors moins 2. Moins 2, on enlève donc, c'est facilement celui-là qui s'en va. 3, ouais. Par contre, tu infliges automatiquement un saignement à ce monsieur. Ouais. Donc il va perdre un point de vie à la fin du tour. Et 3 points de dégâts. Et 3 points de dégâts. Donc, ça, c'est la première attaque. Ouais. Deuxième action. Oui, il a plus que 10 points de vie. Il ouais. A plus que 7. Ouais, bah attends, il en regarde. Perdra un à la fin. Regarde. Oula. Et bah, là, par 0, contre, là, il va manger. Là, il va manger. 5 et regriffe. Ouais. Bah 5 ouais. Et regriffe. Ça se cumule ou ça se cumule pas? Ça se cumule pas. Ça se cumule pas. Ok. Alors 5, 6, 7, 8. 8 et il a combien? Il a 10. Il a 10. Et on pourrait presque aller manger tranquille si jamais on finit le boss. Ah mais t'es un peu loin. Ça va. Allez, juste fais voir son attaque parce qu'à son action, alors, c'est. Alors attention, alors malheureusement le boss, je vais te montrer la petite carte. Tu vois bien que là, il a 2. Donc lui, il a 2 actions comme toi. Oups. Là, c'est donc il a 2 armes. Ouais, donc il va t'attaquer au corps à corps. Hein. Et il peut aussi t'infliger un saignement, tu vois. Ok. Donc, bah, c'est celui-là. Donc c'est un jaune vert. Jaune vert. Il a même plus de taper à une case. Allez, je vais faire le méchant. J'ai bleu. Alors je prends un des blancs parce qu'il peut peut-être te faire un crit, le monsieur. Moi j'ai le bleu. Hein. 3. Ça va, il est gentil. 3. Attends, 3 quand même. Ah, 0, mince. 3. Bah, je prends 3. Ouais, ça va, j'ai 6. Ouais. J'ai 6. Alors, enfin, 3 points de dégâts. En un coup, il m'en tape de moitié. Hein, Deuxième attaque. Ouais, vas-y. Tu vas voir, le sol est assez confortable. Hein. C'est... Oh, il s'est planté. Alors, il a fait quand même un critique. Bah, ouais, donc, ouais, mais c'est rien. Il va relancer. Alors, lui, c'est un héros de. Enfin, c'est un méchant de base, il a pas.
Donc il n'a pas d'adrénaline. D'autres ennemis pourront peut-être l'utiliser. Donc il va l'utiliser quand même pour relancer, pour être sûr. Il fait 2. 2. Donc il fait 2 de dégâts. Donc ça consomme son... Et donc je fais une esquive. Une esquive. Donc, je ne prends que 1. Tiens. Yes. Oh merde, non, ouais, pas celui-là, pas celui-là. Ouais. Tiens, hop. Okay. Voilà, donc t'es toujours vivant. Donc j'en ai pris un au bras, un petit peu à la tête, et puis 2 sur les jambes. Là, c'est je m'en fais partout. Il n'y a pas de localisation. Donc, il a fini son tour. Ouais. Donc, tu l'as engagé, il a fini son tour. Hop, il était où? Il était là. Il est là. Ouais. Parce qu'on va lui remettre ses points de dégâts quand même. On va te le laisser là, c'est ton ennemi personnel. Quasiment killé, quoi, sérieux. Voilà, il est mort. Il lui reste combien là? Il va lui rester un PV à la fin du tour. Bah alors, tu veux rajouter? C'est à toi. Deuxième ciel. Ouais, alors, c'est... Non, c'est... oui, elle c'était à lui, donc c'est à moi. Le pousser dehors, enfin quelque chose. Ah, toi, t'es descendu? Non, dégâts de 3, bim. Alors, je vais avancer, alors je vais me mettre ici. 1, 2. Tu vas le flinguer? Ouais, je vois le gars. Sûr. Il y a découvert, par contre. Et je tire avec le pistolet mitrailleur. Je vais pas faire beaucoup de dégâts. Fais-lui mal. Je vais viser. Allez, je vise, j'utilise mon instinct. Pour donc, tu prends le dé noir. Je prends le dé noir en plus. Je vais faire le dé. Ouh, le crit, alors bon. Le bien pourrave. Mais t'as le droit de relancer. Alors, non, t'as critique. J'ai perdu un. Alors, attends, t'as critique. Alors, j'ai eu 2. Échec critique annulé. Et 2 pour relancer un dé. Alors, je pourrais l'utiliser pour annuler, mais bon, je vais... Ouais. Bien joué. Non, mais super. Ça fait moins 1. Voilà, ça fait moins 1. Allez. Ça fait 2. Alors, ça fait 2 de dégâts. Bon. Attends. Il a pas jeté son dé. Ouais, non, parce que... Il a fait 1. Donc ça fait plus qu'un. Mais il y avait un critique normalement, ça sert à quelque chose ou pas? Oui, j'aurais pu. Alors je peux annuler celui-là ou je peux rejeter ce dé-là. Ou je peux annuler son. Non, la pièce. Mais oui. Ah bah écoute. Bon, bah, ça annule au moins la défense. Et, celui-là il fait un moins 1, donc ça fait 2 de dégâts. 2 points de dégâts. Il a demi-vie. Ouais. Moi je suis agonisant donc je peux pas trop parler, mais. C'était pas exceptionnel. Eh les gars! Il n'avait pas joué non plus. En fait, si on élimine le boss, non, mais après les autres... Je retire du coup, mais sans viser ce coup-ci, parce que j'ai plus d'action pour le faire, j'ai une dernière action. Ah oui, parce que t'avais dépensé J'ai dépensé pour viser. Okay. Ah, c'est un 2, ça. C'est un 2, mais il esquive à beu. Donc je fais aucun dégât. Voilà, il esquive à 2. Donc là, ça va être à lui de jouer, parce qu'il est blessé, donc il est prioritaire, donc il se tourne vers moi. Et il fait... Alors, il essaie de se mettre à couvert. De 1. Ici, et il voit complètement à découvert. Donc, c'est superbe. Alors, on va peut-être jouer les héros. Voilà. Nous allons jeter un voile pudique sur la fin de ce premier tentative. Allez, vas-y, je t'en prie de faire. Attends, alors je vais jeter quand même le bleu. Oui, fais le bleu, toi. Alors, j'espère avoir un crit. Ah, je t'ai fait un beau gros 4. Ouais. Oh c'est létal. C'est létal pour toi. Deux en esquive 2. Oh, on sent que t'avais chaud au cul. Ouais, alors 2 de moins, ça fait 2 de dégâts quand même. On suit un peu quand même. Ça pique, hein? 1, 2, 3, 4. J'en perdrai un à la fin du tour. T'en perdras un, puisque t'es à l'intérieur. Ouais, heureusement. Chaud les biches. C'est pas si gagné, en fait. Voilà, c'est pas si gagné que ça. Hein. C'est quand même chaud, les petits bandits. Donc, c'est la fin. Lui, il a fini son tour. Il reste encore les 3 méchants là-bas. Ouais. Alors, ils vont essayer de se rapprocher. Il y a lui. Ouais, donc, 4, il passe par la porte ou passe par là? Bah, il va, je pense qu'il va... Il va aller tout droit. Parce que là, il va falloir faire plein de trucs. 1, 2, 3, 4. Voilà. Lui, ouais, il ignore, moi je suis entré, il me voit pas. Ouais. Donc il continue quoi? Il va avancer. Non, il s'en fout, il est par terre. Ok. 1, 2, 3, et puis il va être mettre 4. Ouais. Enfin, on peut le bouger. Les autres aussi, du coup. Oui, hein. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Et 4. Tu... Ouais, 4. Et puis 4. Et puis 4. Donc là, ils sont. Là, on est en train de se les prendre bien comme il faut sur le dos. Bon, stop. L'épisode aujourd'hui s'arrête là. La suite au prochain épisode. C'est le début du scénario 1 de After the End. En sachant qu'il y a un certain nombre de scénarios, ils se suivent en campagne. Là, on pourrait y gagner en réputation avec les mines. C'est ça. Où on aurait pu dire non, stop, on arrête, s'il vous plaît, cessez le feu. C'est ce qui va se passer, de toute manière. On va être avec vous, finalement. voilà. On venait pour le job. On voulait vous montrer qu'on était parfaitement capable de rien, en fait. Bon, c'est pas grave. C'est un jeu dont on a invité avec nous ici. C'est un jeu illustré par plein de monde d'ailleurs, mais en l'occurrence, la couverture est de Quentin. Mm-hmm. Chez Exode Game, 1 à 5 survivants, on peut jouer tout ça à partir de 14 ans, 90 minutes. Adrien était avec nous, Hélène est aussi avec nous, Exode Game dans le papotage. Vous saurez maintenant comment ça se joue, quelle est la proposition du jeu.
Il est en financement participatif, donc à partir d'octobre 2018, si vous regardez cette vidéo en 2019, soit le jeu est disponible en boutique, soit il va falloir vous renseigner auprès d'Exode Game pour savoir quel chemin il aura trouvé pour atteindre sur vos tables de jeu. Merci à tous les deux. Merci à Germain. Merci Germain. Je pense que Vichous peut s'en sortir. Oui. En tuant le boss. Oui. Je vais devenir boss du clan, on va attaquer les mines et normalement ça le fait. Sur le papier, ça peut, c'est réalisable. Non, nope, j'ai des bandages pour toi. En plus, ouais. Bah, je te les change contre. Bah non, l'épée, je l'ai donné. Oui, non, merde. J'ai déjà l'épée. Donne-moi la vision, par-delà la vision. C'est bon. Impeccable.